Allez-y. Alors dites-moi votre expérience avec Dieu. Voilà, quand j'avais 25 ans, je travaillais dans un cabinet d'architectes et il y avait une secrétaire là, qui me parlait un peu du Seigneur. Et je lui ai dit, pas très gentiment, écoutez, madame, c'est pas vous qui allez m'enseigner, hein. Moi, je suis catholique et je pratique ma religion à fond. Et c'est pas vous qui allez m'enseigner. Bon, elle n'a pas réagi, elle s'est laissée un peu remoucher comme ça. Et puis, je lui ai dit, écoutez, toute façon, si tout ce que vous me dites c'est vrai, je vais le savoir aujourd'hui même. Parce que moi, je priais tous les jours à genoux, hein. Le matin et le soir, tous les jours, je priais. Mais je connaissais pas Dieu. Donc, je récitais les prières. Et le soir même, je me suis mis à genoux, vers 10 h du soir, au pied de mon lit. Et pour la première fois de ma vie, j'ai tutoyé Dieu. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai tutoyé. Et je lui ai dit, voilà, si vraiment tu existes, si ce que cette femme m'a dit est vrai, alors révèle-toi à mon cœur. Et immédiatement, ouais, Dieu s'est révélé là. Voilà, j'ai pas vu d'ange, j'ai pas vu de lumière, j'ai pas entendu des voix, rien du tout. Mais ça s'est passé au fond de mon cœur, ouais, hein, la vraie conversion, quoi. Au fond du cœur, Dieu s'est révélé comme étant vivant, tout-puissant, un Dieu d'amour et un Dieu qui voulait pardonner mes péchés. Alors je lui ai demandé pardon de tout mon cœur en pleurant, en pleurant. Et je lui ai dit notamment, voilà, je suis un meurtrier, je suis un assassin, parce que j'ai fait mourir ton fils qui lui était innocent. Ouais, j'ai bien compris, là, très vite, hein. Et voilà. Et après, alors, j'ai pleuré de joie, de bonheur, jusqu'à minuit, ouais. Et le lendemain matin à 8 h, j'ai dit, je suis allé voir la dame, et je lui ai dit au bureau, parce qu'elle travaillait, moi je travaillais pas le samedi matin, elle travaillait, je suis allé la voir, et je lui ai dit, vous savez pas, eh bien hier soir j'ai rencontré le Seigneur Jésus, et maintenant je suis sauvé. Alors elle était contente et tout, etc. Et puis comme, dans les entretiens qu'on avait eus auparavant, elle m'avait parlé du baptême, Bien et sûr. que si on connaissait vraiment Dieu, on se faisait baptiser, moi j'étais baptisé des catholique, quoi. Alors, j'ai dit, donnez-moi l'adresse de votre pasteur. À 8 h 30, j'ai débarqué chez le pasteur, qui me connaissait pas, il m'avait jamais vu. Et je lui ai dit, voilà, je suis un ami de, enfin, je travaille avec madame Untel, et je veux que vous me baptisiez. Alors, il m'a dit, attendez, on baptise pas comme ça, hein. Faut faire l'instruction sur le baptême. Je lui dis, mais moi, j'ai pas besoin d'instruction, moi. Moi, le Seigneur Jésus, il a pardonné mes péchés. Je veux être baptisé. Alors, le lendemain, il m'a baptisé. Voilà. Et après, ça a commencé une vie avec Dieu, comme ça. Bon, je pourrais écrire plusieurs livres, mais bon. Vous avez combien de conversions? 60 ans? 66 ans. 66 ans de conversion. Ouais. Vous êtes serviteur, ça fait longtemps? Oui. Ben, ça fait, oui, des années. Mais parce que, aussi, je prêchais et je faisais des visites autant sinon plus que mon pasteur quand je travaillais. Ouais, parce que tous les soirs, j'allais visiter des gens, le samedi, même le dimanche, j'allais dans les hôpitaux, dans les cliniques, voir des gens, voyez, qui étaient malades, Bien sûr. qui étaient dans la peine, qui étaient, voilà. Voilà, donc, le Seigneur, il est tellement puissant et étonnant et merveilleux qu'on pourrait raconter pendant des heures, mais bon, faut que ça revienne à l'esprit. Bien sûr, parce bien que sûr. Je perds un peu la mémoire avec l'âge. Vous avez un petit mot à dire pour la communauté de Vie et Lumière, là? Vous avez quelque chose à leur dire? Eh bien, je vous encourage à toujours prêcher l'Évangile, comme dit l'Écriture. Vous voyez, ce matin, je lisais dans la 2e à Timothée, où justement, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, prêche la parole. Et c'est la parole qu'il faut prêcher, vous voyez. Faut pas faire des discours aux gens à n'en plus finir, en leur raconter des histoires, etc. Ou faire de la théologie, comme certains font, là. Ils disent tellement de choses qu'on n'y comprend rien du tout. Voilà. Eh oui. Hein? L'évangile, c'est tout simple. Et Jésus, il aime les âmes, il guérit les gens, il console,
Il fait tout à merveille, donc il faut parler de lui, prêcher l'évangile, et pas se laisser influencer par ce qui vient du Canada ou d'ailleurs, bien sûr. Ou de l'Extrême-Orient et tout. Il y a toujours des nouveautés. Les gens, ils n'ont pas besoin de nouveautés, ils ont besoin de connaître Jésus, le Fils de Dieu, qui est l'unique sauveur, il n'y en a pas d'autre. Amen. Alors prêchez l'évangile. Là. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Intégrale. Merci.